Wilson Joseph, le mensongeur. Infraction reprochée. Assassinat. Tentative d'assassinat. Enlèvement. Viol. Vol de véhicule. Détournement de camions de marchandises. Dit 28 décembre 2020, porte-parole la police nan Gary Desrosiers présenté bilan yo sous opération base 400 Marozo. Bonjour, bonsoir pour nous tous et nous content la kayo avec yon nouveau bulletin d'information ou sous channel pour la channel capote information quel que soit côté dans monde là à travers tout pays. Nous toujours content pour nous saluer et remercier chaque monde qui abonné ensemble avec channel mais parole là et ou même qui beaucoup abonné n'a invite ou abonner, peser bouton notification, retirer sous personnalisé, mettez le sous tout et ou capable quitter un like, un commentaire et aider nous partager avec famille ou amis et les consacrer capable plus aider informer de tout ça qui passe et surtout pour semaine ça là nous connaît route quoi les bouquets ali vraiment en danger. J'ai noté dans le commencement vidéo en porte-parole la police dans Gary Desrosiers lui présenté by la presse et au grand opération qui ont mené et hier dimanche 27 décembre 2021 côté yo mette avis de recherche encore derrière et l'homme sans jour le tout puissant qui est pour nom Wilson Joseph et yo mette avis de recherche derrière un certain Dio et Ronald et Azuken. Nous allons inviter ou garder comment et porte-parole la police à lui-même l'état présenté bilan qui yo te mené hier dimanche là dans base 400 Marozo qui te fait partie 7e promotion PNH là côté que il perdu la ville au Cap Haïtien dans localité qui est Petit Anse Kafou La Chaux. Inspecteur Dijonès a été affecté dans commissariat au Cap. C'est le même tout qui était responsable BI brigade d'intervention dans commissariat. Inspecteur Dijonès a lanté à bord véhicule côté que bandit attaqué plusieurs balles. Côté que, après constat, juge 6 projectiles dans deux côtés vitaux dans le col. Nous avons couru l'hôpital avec lui, mais malheureusement, arrivé à l'hôpital là, inspecteur divisionnaire Telfort Ferret perdu la ville. Pour le moment, il y a une enquête qui ouvre au niveau de SDPJ qui dans le département Nord. Gagné service d'investigation commissariat au Caplan qui a mené pour une enquête et DCPJ touché par ça et gagné une enquête qui ouvre au niveau de la DCPJ. Nous déjà en marche, machine déjà en marche pour que nous capables prendre première considération à savoir tout ça qui vient de nous. Et à travers le réseau, nous voyons que gagné un voice qui a circulé, qui t'a semblé voir inspecteur. Côté que, il n'y a pas analysé pour que nous capables de servir avec lui et l'autre information qui a venu joindre nous tout, pour que nous capables de faire toute considération sérieuse pour capable conduire nous à la vraie vérité. C'est certain, dans le jour qui a venu, nous sommes au courant. Nous avons parlé de l'opération 400 Marozo. Nous avons rappelé depuis environ 2 ans. Le groupe 400 Marozo, un autre groupe tout qui est basé dans Rami, une raquette, yon habitué à descendre sous grand axe de quoi des bouquets à tuyot, côté que yon font pile victime. Nous avons rappelé le 10 janvier 2019. Yo assassiné une jeune fille qui est chez l'agent Claude. Le 27 mars 2017, yo attaqué personnel ambassade Chili. Côté que lors de l'attaque ça, gagné chauffeur ambassade là, ambassadeur qui était prend balle qui mourit. Le 22 octobre 2019, près de 15 bandits violé un personnage qui probablement âgé de 70 à 80 ans. Dans la nuit du 9 mars au 10 mars 2020, il a assassiné 3 personnes dans l'île Lavoie 39. Le 3
2020, zone marché papay, marché papal, yo tiré sous un bus, côté que gagnent plusieurs moun qui blessés, dont yon petit bébé qui était tué par balle. Monsieur Sayo, yo spécialisé yo dans vol véhicule, contre-rançon, détournement de marchandises, enlèvement. Et objectif opération que la police menait hier très tôt dans la matinée, objectif là c'est pour te démanteler gangza et procéder à arrestation bandits. Plusieurs unités dont le commissariat de Croix des Bouquets t'est mobilisé dans opération ça. Nous arrivés entrer dans la base monsieur yo, et selon policiers qui étaient dans théâtre opération hein, yo ouais en pile ossement dans cercueil dans une sorte de péristyle gagné 15 arrestations qui faites que nous connaissons déjà pour le moment il y a screené la police judiciaire a cuisiné pour que nous connaissions le degré d'implication chaque grain de monde dans 15 personnes qui ont été interpellées. 4 véhicules que nous parlons, hein, c'est des véhicules qui ont été volés, que nous récupérons. Nabdi, la police déterminée pour que nous soyons capables de faire face d'abord à la responsabilité nous, à la mission nous, qui c'est garantir le public et la sécurité publique, également pour que nous démantelions tout réseau gang qui depuis des mois, des années, a bâti problème et empêché population paisiblement vaquer librement d'activité. Et au commandement, le commandant-chef de la police nationale a félicité tout policier sérieux qui était en opération, hein, qui était déterminé, qui était courageux pour que il était capable de faire travail. Gagné dans le réseau 400 Marozoa, il y a 3 chefs gang qui entendent. Nous connaissons déjà Lambo Sanjou. Non, c'est Joseph Wilson. Gagne Ronald, ainsi connu, et Azouken, ainsi connu. N'a partagé avec la population. Encore une fois, photo et avis de recherche que la direction centrale de la police judiciaire mettait pour que tout le monde qui est capable, ouais, côté M. Saoui, localisé, pas hésiter, mettez la police au courant. Wilson Joseph, l'homme son jour. Infraction reprochée, assassinat, tentative d'assassinat, enlèvement, viol, vol de véhicule, détournement de camions de marchandises. Alors, petite précision, dans la vidéo recherche, c'est vol de véhicule de préférence, c'est pas viol. Alors, nous avons deux photos sous deux angles. Ça, nous croyons qu'il est assez lisible et plusieurs personnes sont capables de rapidement identifier. Ça, c'est une autre encore photo, l'homme sans jour. Avec deuxième angle. Parce que dans le mode opératoire, généralement, on change de style. On doit avoir les dieux, on doit avoir les cheveux des noirs, et puis, on met l'autre couleur, puis on est capable de tromper les gens. Mais sous deux angles, ça, n'a pas demandé à moun kap gade là pour vraiment pour attention pour capable de nous identifier côté yo moun sa oyé pour la police capable arriver épingler yo et conduire devant la justice. Gen Ronald ainsi connu. Et troisième nom, c'est Azouken, ainsi connu. Merci. S'il y a deux ou trois questions. Par parole, si vous n'avez pas mal de la police, c'est pas de l'opération, ça sera de P.
petit gros signal. Et nous tendons à travers la presse, à travers les réseaux, nous avons goûté pour que chaque opération que nous menons, pour que nous sommes capables, ça nous doit faire affaire, pour que nous sommes capables de permettre que ces populations puissent réussir. Parce que dès que la population réussit, la société et nous-mêmes, la police, tout, nous croyons tout que nous réussissons. Antidiscipline, please. Antidiscipline. Tout à fait. Merci. Ce sont très bonnes questions. Ils permettent moi, parce que je me dis dans plusieurs radios. Effectivement, au niveau commissariat Pétionville, il y a trois plaques qui sont perdues. C'est trois plaques de véhicules de police. Numéro plaque là. On a demandé tout le monde pour attention, population 1. 1-00-848, plaque police. Deuxième nom, c'est 1-00-921, plaque police. Et troisième nom, 1-01-038. Capable de prendre, s'il vous plaît? Bianca Gauthier, qui est kidnappée dernièrement, bien nouvelle qui a circulé sur les réseaux sociaux, elle a fait connaître que DCPJ a arrêté lui parce que c'est lui-même qui a complice des kidnappés. Est-ce que vous êtes capable de... Malheureusement, pas en mesure pour me prendre pour le moment. Mais comme on a ça là, et on a espace DCPJ sans problème, on tire un moment et puis il m'a pas en mesure pour me confirmer. Opération ça a déroulé, pas d'échange de tir, et puis 15 secondes ça a nous arrêté. Donc, nous pas de rien en meilleur, donc est-ce qu'on a confirmé pour nous? Et puis, est-ce qu'on, à part de ça, est-ce qu'on a joué votre matériel dans la base, base 400 Marozo, parce qu'il y a des avec une heure qui t'a fait pour jouer l'argent? Merci. Et nous pas de jouer ça. Et c'est une opération qui était en sorte de combat, parce que tu as gagné échange de tir. Entre force de l'audio et bandits. Et nous tous connaissons, et à travers le réseau, nous voyons et puissance de feu en termes de âmes. Et nous-mêmes, nous sommes pratiquement by vie nous pour que nous sommes capables de permettre que la population soit libérée de l'ensemble de gangs. À savoir, d'autres matériels, mon courant, simplement, c'est quatre véhicules qui étaient volés qui récupéraient. Nous pas de ces armes, ni Poissa, ni l'opération Village de Dieu qui était faite une année ou bien avant. Et depuis pile l'année, nous connaissons ces armes n'a saisi ni dans sa main, ni l'autre côté. Et nous pas jamais entendu une enquête qui aboutit pour nous dire mais qui est-ce qui était organisé trafic d'armes ça, sous pays. Est-ce que nous gagnons information sur ça bien? Chaque l'année, nous arrêté des mounes, mais les armes, yo, donc nous pas, c'est seulement sur les réseaux sociaux. Ouais. Parfait. Bon procédure qui est tracée, l'est que vous faites saisie ou bien vous faites découverte des armes. Et il y a toute une structure qui est passée pour arriver justement à enquête. Nous croyons que nous parlons de ça dans la conférence, côté que il y a des âmes qui nous joignent, et puis nous dit et pour qui est-ce que c'est certain dans la dernière découverte, et probablement n'a pas fait toute considération en termes d'enquête pour que nous soyons capables de dire au moins opportun, mais dans quel niveau que nous y est dans le dossier ça. À savoir, si nous saisissons des âmes par l'opération, et... Il y a des armes que nous avons saisi, parce que nous avons saisi des armes que la police a en fait depuis un peu l'année. Oui. Nous n'avons pas même arrêté un monde pour le trafic d'armes dans le pays. Donc nous connaissons les armes qui n'ont pas faites dans le pays. Tout à fait, tout à fait. Et j'en nous dis, il y a des gens, nous ne connaissons pas trop longtemps, il y a une conférence qui est faite, côté que les gens ont joint les armes pour eux, et nous connaissons ici il y a la DCPJ, et ils ont présenté les gens. Et j'en dis là, et comme c'est plusieurs saisies qui sont faites, et une bon procédure, et en toute transparence, pas gagné qui au niveau de la police que nous pourrions cacher ou bien ça a gagné telle attention, ça a gagné telle attention. Dès que la police arrive dans le moment pour qu'il fasse là, la fait. Parole. Et nous, oui, je vais demander 400 Marozo, est-ce que la police est espace là? Est-ce que la police a arrêté en dedans pour combien de temps? Et deuxièmement, bon, vidéo qui a circulé qui dit que aux jeunes on valise l'argent en dedans, est-ce que vous avez confirmé ça? Par mesure, confirmer ou l'infirmer, moi-même, moi, tout au niveau vidéo tout. Et moi j'étais en contact avec les responsables et au plus haut niveau. Je n'ai pas relaté ça. Mais par contre, je suis capable toujours de partager ça avec eux.
Et si c'est à ça, en toute transparence, en toute vérité, n'a dit. Et à savoir, est-ce que nous faisons une case de base, est-ce que nous avons levé ou bien est-ce que nous avons pris le temps ou combien de temps nous avons pris? Nous regardons géographiquement Jean Bazaillé et c'est pratiquement sinon ragé et Négu et Tanyo sous vraiment des centièmes, même des hectares de terre. Et la demande en logistique, la demande en commodité pour que la police t'arrête la donne. Mais par contre, nous avons eu sur eux. Je ne peux pas parler, comment nous parlons du travail pour la sécurité, parce que nous connaissons les dits. La police crée, c'est parce qu'on va connaître un bloc de zone. Nous parlons de la police, parce que comment nous parlons de la police. La police a une permission de garantir l'ordre public, la sécurité publique, et n'a fait pareil.